Un second film, mise en chantier un an après le succès monstre de Paranormal Activity et sa sortie en France. Un deuxième film, radicalement différent, dans le sens où là, il y a un vrai budget derrière le film. Il a quasiment 2 millions de dollars de budget. Donc voilà, on est sur quelque chose de radicalement différent au niveau de ses ambitions, tout comme au niveau de son traitement. Euh, donc, Paranormal Activity 2, réalisé par Todd Williams. L'histoire, ça se passe quelques mois. Avant euh, les événements du premier film, dans la famille de Christie, qui est la sœur de Cathy. Et donc, entre guillemets, c'est supposé être un préquel et en même temps pas vraiment. Supposé montrer d'où est venu le retour euh, du mal que les deux jeunes femmes avaient vécu quand elles étaient plus jeunes euh, et nous montrer comment il a ravagé la famille de Christie, euh, après avoir ravagé euh, la, famille, la vie de couple de Cathy. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. C'est. C'est assez compliqué parce que le deuxième, c'est clairement le plus mauvais volet de la série. Euh, pas dans le sens où euh, techniquement, il a à peu près les mêmes ambitions que le premier. Euh, narrativement, il a une histoire qui est plutôt intéressante sur le papier. C'est surtout qu'en fait, il est très très mal amené au niveau de son traitement et au niveau de son scénario. C'est vraiment ça, on va dire, tout au long. C'est-à-dire que c'est vraiment sur une continuité qu'on sent que le film ne se maîtrise pas. Euh, Il ne se maîtrise pas déjà au niveau du scénario. Donc là, par contre, on a trois scénaristes. On a Michael R. Perry, Christopher London et Tom Pabst. Christopher London qui restera après ce film tout le temps sur la série et c'est même lui qui va s'occuper de réaliser le 5. Et bien, ces trois scénaristes, ils ont trois ambitions différentes. Et ça se ressent. On a un scénariste qui a envie de rendre hommage au premier tout en s'en détachant. On a un scénariste qui a envie d'aller plus loin. Qui a envie de trouver d'autres choses à explorer dans le film, et on a un scénariste qui en a rien à foutre et qui veut simplement torcher un truc vite fait et voilà être le plus proche du premier Paranormal Activity. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un film avec trois directives narratives complètement différentes et trois ambitions qui sont incompréhensibles. C'est-à-dire que la première partie du récit est plutôt intéressante quand elle pose les bases et quand elle pose les personnages. Encore une fois, il y a cette idée de famille qui est intéressante dans le film. Et là, c'est très très bien amené parce qu'on incorpore le côté enfant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants. Enfin, il y a une adolescente et il y a un petit garçon. C'est super intéressant parce que résultat, ça permet euh, de construire un vrai rapport qu'il y aura ensuite dans la série, qui est celui du rapport à la famille. C'est-à-dire que dans tous les autres volets, ça sera toujours une famille qui sera au centre du film et qui se verra évoluer en fonction euh, du, on va dire, des phénomènes qui vont leur, leur, leur tomber dessus. Et bien là, on le sent au début, et puis ensuite ça se perd parce que le film se découpe en petits sketchs, en petits sketchs d'une dizaine de minutes qui voilà, sont entrecoupés de passages de nuit, et là l'énorme défaut c'est qu'ils veulent montrer toutes les nuits. Et ça marche pas du tout, c'est vraiment pas bien rythmé parce qu'on se retrouve avec une nuit, un sketch de 3 minutes, 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 et ainsi de suite. Et ça marche vraiment pas et c'est pas du tout équilibré de la part de Perry, Pabst et London qui arrivent pas du tout à savoir dans quelle direction amener le film. Et en plus voilà, ça se finit en queue de poisson, c'est vraiment euh, un volet histoire de faire une transition. Au niveau de la mise en scène, Todd Williams, pareil, il est dans cette optique-là, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qu'Aaron Pelly a voulu faire sur le premier film, et donc résultat, il torche un truc vite fait. Oui, l'effet est plutôt bien construit, mais voilà, on est dans cette idée de bigger and louder, c'est-à-dire plus bruyant et plus impressionnant, quoi. c'est tout, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une seule caméra qui va bouger en même temps que nous, et donc qu'on va vraiment épouser un point de vue, un, un point de vue subjectif, un, PO, un point de vue POV, et là, on se retrouve avec plein d'angles de caméra multipliés par le côté vi vidéosurveillance à cause de la première apparition du démon. Et bien, là, ça ne marche pas parce que résultat, il y a la solution de facilité qui serait simplement voilà, d'alterner les angles de caméra. Et ça fait que, en même temps, ça aurait pu être très intelligent. Et malheureusement, voilà, c'est pas assez fin et on se retrouve avec... Euh plein d'angles de caméras différents et on a un côté ultra répétitif, c'est-à-dire que quand une nuit commence, c'est tout le temps le même premier plan qui vient introduire l'arrivée de la nuit. C'est tout le temps le même deuxième plan, c'est tout le temps le même troisième plan, c'est tout le temps le même quatrième plan, tout le temps le même cinquième plan, et puis voilà, c'est tout le temps comme ça, et il n'y a aucun suspense qui se crée parce que on sait résultat quand la chose va arriver, c'est-à-dire que on sait que vu qu'il y a un ordre prédéfini d'apparition des angles de caméra, on sait que si ça revient à un angle précédent, c'est là qu'il va se passer quelque chose. Et à résultat, le film perd complètement en rythme, complètement en énergie et complètement en intensité, et on se retrouve stoïque devant une œuvre qui ne nous raconte rien et qui ne crée aucun suspense. Et voilà, on est vraiment perdu, tout simplement. Euh, au niveau du casting, alors ça va être un petit peu compliqué de brasser casting parce que la plupart des acteurs voilà, ne sont pas mentionnés, ou presque pas. Euh... Encore une fois, Cathy Fiverson est très bien et l'actrice qui joue Christie est vraiment excellente. Euh, mais le casting est beaucoup trop amateur, contrairement au premier, où ils arrivaient à compenser ça par euh, la manière de captation. Là, résultat, on sent que c'est joué et malheureusement, c'est trop en dissociation avec le propos du film et ça ne fonctionne pas. Euh, mention spéciale pour la jeune fille qui est tout de même intéressante. Euh, et voilà, qui va permettre ensuite d'amener un nouveau point de vue dans l'histoire, puisque tout au fil des films, voilà, on va vraiment basculer du côté du point de vue des enfants. Et là, ça marche plutôt bien, même si malheureusement le personnage derrière n'est pas très intéressant, mais ça c'est la faute au scénario. Donc voilà, le deuxième est vraiment un mauvais film. Euh, mais voilà, il, comme d'habitude, bah, il a cartonné. Donc forcément, il y a eu un troisième volet qui a été mis en chantier. Et celui-là est radicalement différent.